Yo les amis, c'est Winza, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va dire bonus, parce que j'avais vraiment pas prévu de la faire jusqu'à temps que je tombe sur le joueur le plus chelou du jeu, comme vous l'avez vu dans le titre bien évidemment. Alors il est pas chelou parce qu'il a des gros yeux, des grosses oreilles, un gros nez, voilà, je sais pas, c'est tout simplement parce qu'il a une coupe de cheveux, on va dire plutôt original quoi. C'est pas une coupe de cheveux que tu vois tous les jours. Bon, tu peux l'avoir pour un anniversaire, voilà, pour une petite fête, je pense qu'il y a moyen. Mais pour un joueur de foot sur un terrain, je pense que c'est du jamais vu, et même dans FIFA. Alors les gars, on va pas passer par quatre chemins, je vous le présente tout de suite. Non mais non les amis, il a les cheveux roses, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un pari? Je sais pas, c'est quoi? C'est une perruque? Bon, je vous rassure, il doit sûrement pas être modélisé dans le jeu. Enfin, moi j'aurais vraiment kiffé qu'il soit modélisé dans le jeu, parce que voilà, avec les cheveux roses, je pense que ça aurait pu être énorme en match, on aurait pu faire des vidéos pas mal, voilà. En plus, il a quand même 90 de vitesse, le salaud, franchement. Et les cheveux roses sur la carte argent, je trouve que ça passe vraiment bien, en plus la carte elle brille. Si vous voulez le trouver les gars, où est-ce qu'il joue? Il joue en... non, il joue pas en République Tchèque, c'est un Tchèque qui joue au FC Sion, donc c'est la Ligue Suisse, voilà. Il a quand même 90 de vitesse et je vais bien vous montrer que c'est pas un montage, parce que si vous allez dans le marché des transferts, eh bien tous les The Man ou les The Woman, hein, voilà, parce que bon, les cheveux roux c'est pas vraiment un style d'homme, hein, tout simplement. Donc voilà, ils ont tous les cheveux roses. Bon, il a assez cher pour sa coupe de cheveux, voilà, je pense, parce que bon, au niveau de la carte, c'est pas non plus le joueur que tout le monde voudrait avoir dans son équipe, hein, bien sûr. Donc voilà les amis, c'était juste une petite vidéo bonus. Alors une vidéo avec du montage arrive très très vite, ça va être un match, ou alors ce sera peut-être un pack opening, je sais pas, je vais faire lequel en premier, enfin vous verrez bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu si vous aussi vous pensez que c'est le joueur le plus chelou de FIFA 16, en tout cas pour sa coupe de cheveux bien évidemment. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, les liens vous les trouverez dans la description. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao les gars.